C'est Malo! J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour tintin, 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 le DP Harry Potter. J'adore, j'ai trop hâte de le commencer. Donc là, vous pouvez voir, j'ai commencé à vouloir tracer des trucs au marqueur, mais c'est pourri. Voilà, bon, ça me fait mes premiers carrés. On va commencer par celui-là, mais ce sera une petite partie de ce carré-là, la moitié. Donc voilà. Ben, c'est parti! Donc alors, c'est parti. Je stresse un peu pour tout vous dire parce que j'ai peur de la qualité des diamants. Donc, allons-y. Le premier a été posé, ça y est. Je ne peux plus retourner en arrière. Je suis trop mauvaise pour la pose de diamants carrés. Pourquoi j'ai pas commencé par les bords? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de carré, je fais que des ronds. Oh, j'ai pas vu, j'avais une petite étoile. Alors, la petite étoile, c'est... Enfin, je la retrouve dans mon bazar. Pour une fois, c'est rangé. Bon, je verrai à la fin. C'est pas très grave. Allez, on va commencer par le noir. C'est parti, hein, on entame. Du coup, j'ai la musique d'Harry Potter dans la tête. J'en pouvais plus, j'avais trop hâte de le commencer. Waouh! Non, bah écoutez, il n'y a pas d'écart, hein. Pour l'instant, du moins, je n'en vois pas. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Peau molle, peau molle, peau molle. Désolée, je suis toute fofolle. Ça, je pourrais le faire en damier. Mais j'ai trop peur, si je le fais en damier, de ne pas les mettre droit. Donc, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de carré. Me manque plus que la tablette lumineuse. Donc, que ça. Ça m'a l'air bien. Alors là, je le mets en damier parce que ceux des bords ont déjà été posés. Désolée, hein, il y a mes chiens qui sont en train de reposer en paix. Désolée. Ah, du coup, je fais du caca. Oh, ça s'emboîte. Non, bah écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir d'écart. J'avais super peur des écarts. C'est ma hantise de toute façon à chaque fois que je commande un DP. Donc là, c'est un 40 par 60. Ça y est, je commence à attaquer du lourd. Bon, pour certaines, c'est ridicule 40 par 5, 60, mais moi, j'y vais progressivement. Puis j'essaye de m'appliquer surtout. Détendez-vous avec Ozzy qui ronfle derrière. Je suis trop concentrée et trop contente de commencer. Ça faisait un moment en plus que je voulais refaire des carrés.
tout vous dire, ça m'avait un peu manqué. Oups, je viens de me cogner au téléphone, désolée. Comme je l'ai déjà dit, et ça a fait rire beaucoup, excusez-moi de vivre. Vas-y, tu peux arrêter de ronfler, s'il te plaît. Désolée pour ce gros blanc. Mais je suis trop concentrée, je suis trop dans mon truc là. Plus le ronflement des chiens, ça me détend. Et là, vous allez me prendre pour une grosse folle. Ça la détend, mais elle est trop chelou, elle. Et alors? Oui, je suis chelou. J'aime quand mes chiens ronflent. Ça veut dire qu'ils dorment, ça veut dire qu'ils sont en paix. Et ça veut dire qu'ils vont plus faire de bêtises jusqu'à ce soir. Enfin, on est déjà le soir, en fait. On est vendredi 22 mai et il est 19h. J'ai passé ma journée à ranger les sachets dans les boîtes. Avec mon assistant préféré. Ah, je l'ai mal mise. Hop, c'est bon. Alors, pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, les ronflements, c'est mes chiens. Comme chien, j'ai des carlins. Et encore, j'ai fermé la baie vitrée, sinon vous entendriez aussi ma voisine. Elle fait du bruit, j'ai l'impression qu'elle est limite chez moi. C'est le problème des voisins, mais après, elle est gentille, donc je dis rien. Bon, je suis pas la reine des diamants carrés. Hein. Ça, je pense que vous allez vite le voir. Je fais de mon mieux, hein, je vous promets, je fais de mon mieux. Quand je vois Estelle ou Isabelle, petit time fix, là, poser leurs diamants. Super bien, je suis jalouse. Ou même Florine. Mais Florine, elle fait pas de chaîne YouTube, dommage. Elles posent leurs diamants, mais super bien, quoi. Florine, c'est ma copine. Ouais, désolée, des fois je pète des plombs. Mais je trouve que ça rime. Ne me tue pas, Florine, s'il te plaît. Si tu passes là, ne me tue pas. Bah écoutez, je suis très contente. Et là, j'ai l'impression d'être une grosse schizophrène. Je passe du coq à l'âne, moi. Bon, vous savez maintenant, je suis folle. Oups. Alors, en fait, j'ai la lumière artificielle, du coup, je ne vois pas très très bien. Demain, vous aurez une vidéo du cerf. Je vais essayer de l'avancer encore. Je ne l'ai pas avancé depuis 2-3 jours. J'étais à fond sur La Belle et le Clochard et là du coup sur Harry Potter, trop excitée de le commencer, donc
Je vais essayer d'avancer et terminer ce CR. Oula, gros bruit de déglutissement. Hop, tout en remettant les diamants droit. Je suis très très près du téléphone. Refaisons une séance d'ASMR. Non, je plaisante. Quoique, on a pas mal pour aimer. Hein. Franchement, je suis étonnée. Je pensais trop que j'allais faire un flop. Et que vous alliez me dire, c'est nul, Michel. Et en fait, non. Vous avez bien apprécié quand même. Hein. Bande de coquines. Et de coquines. Mais je ne vous juge pas. Au contraire, merci beaucoup. J'ai passé un bon moment. C'est tellement plus minutieux les carrés. Je sais pas comment Estelle a fait pour aller vite. Mais même pour faire le damier, je suis trop nulle. Du coup, je vais les couler une par une, c'est pas grave. On va les couler une par une. Ce n'est pas une course. Oups. Malédiction du tournage de vidéo. Parce qu'en vrai, quand je suis toute seule, ça fait pas ça. Hein. Ça le fait moins. Je fais les bruitages en même temps de ma vie. Par contre, j'adore, ça s'emboîte. Enfin, ça, vous le savez déjà. Bah écoutez, pour l'instant, les diamants, ils ont pas l'air de mauvaise qualité parce qu'on m'a demandé un retour sur les diamants. Donc au début, je pensais qu'ils allaient être minuscules et tout. Mais écoutez, j'ai trouvé quasi aucun déchet quand j'ai fait mes boîtes, là, ma mise en boîte. Aucun déchet, il n'y a pas eu beaucoup de diamants différents dans un sachet. Vous savez, genre du blanc dans du noir, j'ai pas eu ça. Là, j'ai un seul déchet. Et ça, il n'y a pas l'air d'avoir d'écart de diamant. Il s'emboîte bien tout seul. Donc voilà. Pour l'instant, je suis très satisfaite. Après avoir avec le rendu et aussi avec la tablette lumineuse. Je pense que c'est là aussi que je verrai les imperfections. Mais pour l'instant, je vous fais un retour sur les diamants. Ils sont pas mal. Pas mal, pas mal. Je transpire tellement j'ai envie de bien poser mes diamants. Oh mince. Là, je vais continuer jusqu'au bout comme ça et je compléterai avec les petites croix et puis on se laissera là. Je continuerai le reste toute seule et je vous ferai comme ça des petits vlogs de temps en temps sur le temps de ma journée.
Je pense vous faire un vlog aussi sur plusieurs DP. Genre sur deux temps de ma journée, par exemple, matin, midi et soir. Ou faire un truc du cerf, un truc d'Harry Potter en même temps. Je sais pas si ça vous dit. Dites-le moi en commentaire hein, si ça vous dit. Ça m'intéresserait de le savoir. Ouh là là, ça ne va pas là, ça ne va pas du tout. Si ça va, mais c'est quoi Allez, on s'en va. Voilà, mets-toi ici et tu restes là. Désolée, j'ai viens de maltraiter un diamant. Ouais, ils sont pas hyper bien mis. Hein. On dirait plus un mur en briques. Écoutez, je fais de la symétrie. Non, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Je suis pas la plus douée dans ça. Hein. Ne partez pas pour autant. Restez avec moi. Ne me laissez pas toute seule. Oh là là, j'ai du mal. Je vois pas grand chose. Parce qu'elle y est. Pourquoi elle se met là? Bon, j'arrive pas à l'attraper. Je fais une petite dédicace à Angèle. Qui aime la perfection. Regarde cette imperfection, Angèle. Regarde à quel point ce n'est pas parfait. Angèle, c'est la personne qui va faire son premier DP. Il va faire 120 cm par 160. Voilà. Bon courage, ma Angèle. Mais il est beau, c'est un beau dragon qu'elle fait. Et elle pose ses diamants, mais à la perfection. Je l'envie. Et je sais qu'elle passera ici. Donc voilà, tu te reconnaîtras. Et tu sauras de quoi je parle. Mon petit padawan. Tac, on va faire ça comme ça. Je vais rajouter les croix et puis on va se les... Oupsie, c'était pas le bon pot. J'ai commencé à verser des noirs dans des bleus. Punaise. Oh là là, quelle padouée je suis. Bon, c'est pas grave, il n'y en a qu'une qui est tombée. Je le verrai. Là déjà, c'est plus clair, c'est plus simple à voir. Oh oui. Oula, ça pop. Ouh là 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 là. Ouh. On va essayer de la remettre. Voilà. C'est que je les ai un petit peu décalés. Pas douée que je suis là. Oh là là. Bon, cette vidéo s'appellera Comment massacrer un DP.
Mais c'est pas de ma faute, ceux, les gars sont trop grands. Non, je rigole, hein. Tout va très bien. C'est juste moi qui ne suis absolument pas douée. Et ne rageait pas trop devant ma toile. Bon, j'aurais pas dit grand-chose dans cette vidéo, hein. Pour une fois, je suis pas très bavarde. Tac. Je vais continuer un petit peu. Je vais finir ma barquette quand même. Je sais que je suis pas très douée. Alors les carrés, j'en ai fait qu'une seule fois, donc vraiment, je suis novice, novice dans les carrés. Voilà, vous avez en face de vous une youtubeuse débutante. Donc les pros, soyez indulgents s'il vous plaît. On n'est pas là pour juger, on est là pour s'amuser. Voilà, je finis ma barquette. Je vais finir le carré toute seule. Et puis on va se laisser là. Voilà. Donc vous voyez, je vais vous montrer après ce que ça donne sur la toile entière, ce que je viens de faire. Vous allez voir, c'est ridicule. A tout de suite. Donc voilà la toile. Oups. Et voilà ce que j'ai fait. Elle est toujours froissée, je l'ai repassée, mais bon, c'est que les bords, c'est pas très grave. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce bleu, pourquoi pas, c'est toujours sympa. Et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Gros bisous!